Alors moi il y a un truc qui me comme disait l'autre qui me turlupine toujours turlupine. Voilà quand en fait, voilà la fin. Quelque chose qui me turlupine voilà donc c'est que tu chantes Deep Society. Oui. Contre le sida, pour demander aux gens de se protéger, de faire tout ça, prendre des précautions. Et puis lui. Et tu as 12 enfants de plusieurs moments. Faites toi, ce que. Tu en as combien là? Moi j'en ai 4. Voilà. Faites ce que je dis et non ce que je fais, c'est ça un peu. On nous a toujours enseigné ça à l'église catholique. Mm. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mm. Et j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Ok. Le mérite que j'ai, c'est d'assumer ce que je fais. Mmh. Parce que on peut faire 12 ou on peut faire 11. Tu en as combien, maintenant? Tu en as combien maintenant? 11 enfants. Ça n'a pas changé. Depuis la dernière émission. Et tu es grand-père? Oh, pas encore. Ah ouais, je te souhaite vraiment le ça bonheur. Ça veut dire que mes enfants sont sages. Je leur ai transmis ma sagesse. Est-ce que tu es en contact avec tous tes enfants? Absolument. Mais oui. Oui, avec leur mère même. Avec les mamans aussi. Oui, il y a combien de mamans? 6. 6 mamans, 11 enfants. Oui. Ouais. Et je suis très heureux que tu assumes ça. Je voulais justement en revenir. Élisée a évoqué ça tout à l'heure. La déclaration où tu t'adresses au président, et dans la même posture que lui, avec un pupitre, un truc qui a fait le tour de la toile. Certains ont dit que c'était pour réclamer ce qu'il t'avait promis lors de votre entretien. ou alors tu avais été monté par ton papa, le président Bédier. Pour aborder ce sujet, sincèrement, je ne sais pas, tu peux faire les frais de des honoraires de mon avocat. Si tu veux, on peut en débattre, si tu me le confirmes. Ouais. Non, mais justement, les gens veulent savoir. Ouais, parce que tu sais qu'ici... Qu'est-ce qui t'a pris de te lever dans ce pays, on pense Pilate. Il faut faire très attention. Mm. Jésus a été crucifié. Okay. Et donc, comme il y a pense Pilate, il faut faire très attention. Tu ne veux plus parler de ça. C'est un sujet que sincèrement, on en a débattu. Ouais. Moi, j'ai dit et je réitère ce que j'ai dit. Voilà, je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités. Ça n'a pas changé depuis le 7 août. Mm. Non, je n'ai pas changé du tout. Okay. Et ce que j'ai dit, je le confirme encore une fois aujourd'hui. Mm. Je pense que, sincèrement, la classe politique ivoirienne doit être complètement renouvelée. Et ce que je vois... m'exaspère, sincèrement. Alors, Fredo, justement, on parlait de cette sortie, et tu dis que tu assumes encore aujourd'hui ta sortie, donc c'était le 7 août, je crois. C'était le 7 août 2000. Et, alors, dans l'entourage du pouvoir, on a trouvé que tu avais été ingrat, parce que tu aurais reçu 50 millions des mains du Premier ministre, paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly, au nom du gouvernement. Comment tu peux faire une sortie comme ça après pour celui qui était pratiquement son papa? Ben, je tiens en cet effet à rendre hommage. J'aime pas trop ça, mais à titre posthume, au Premier ministre Gon Coulibaly, qui a eu l'amabilité d'accepter d'être le parrain de la manifestation parce qu'il s'agissait de la célébration de mes 30 ans de carrière. Mmh. En décembre 2019, j'ai sollicité l'État parce que c'était une affaire nationale. Je suis un artiste de la nation. Je fêtais mes 30 ans. Il fallait... absolument, que je sollicite l'accompagnement de l'État. Et c'est ce que j'ai fait. C'est un devoir régalien. Et je l'ai fait en toute honnêteté, en toute simplicité, sans parti pris. Tu as sollicité d'autres partis? J'ai envoyé des invitations par le biais de mon manager, okay. M. Nyamke Joseph, et l'organisation qui était pilotée par Uri Ajovi. De Soda. Voilà, Soda. Nouvelle Soda. Ok. Donc tu disais oui. Toutes les autorités ont eu des invitations. On t'a envoyé. On m'a accompagné financièrement pour l'organisation. Les 50 millions, c'était pas pour ma poche, hein, c'était pour l'organisation de la manifestation. Donc vous pouvez en parler avec Uri. Il y a une grande partie qui est allée là. Donc forcément, voilà. Mais c'est à toi qu'on a remis l'argent. On m'a remis l'argent. Ouais. J'ai remis l'argent à Nyamke. Et Nyamke peut vous dire ce qu'on en a fait. C'était pour l'organisation. De la célébration de mes 30 ans de carrière. Après cette sortie, mais oui, forcément, tu attendais à recevoir des volets de bois. Merci, Karima. Et absolument, forcément, tu t'attendais à ce que des fans réagissent, des fans du pouvoir réagissent. Quel a été les messages de menace relativement à cette sortie
qui a suscité un sort de... Est-ce qu'il a été menacé? Quand je parle de... J'ai été insulté, j'ai été menacé sur les réseaux sociaux, partout. Mais sur les réseaux sociaux... Mais bon, ça me fleure à peine parce que... Je vais finir ma question. Cette intifada, là, est-ce que tu te regrettes pas un peu? Ah non, pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je réfléchis toujours avant d'agir. Et quand on réfléchit avant d'agir, on sait prendre ses responsabilités. On sait assumer ce qu'on a dit. Et en cela, je vais vous rassurer, je suis un homme de conviction. C'est-à-dire, quand je dis quelque chose, je le dis parce que j'en suis convaincu. Et quand on est convaincu, même les ripostes vous effleurent à peine. Voilà. Mais moi, si tu rencontres Ouattara aujourd'hui, tu lui diras quoi en face? Là, maintenant. Le président de la République, bien sûr. Parce que, voilà. Non, mais ouais. Monsieur le Président, Moi, j'ai un souci avec les Salam Alek. En France, c'est difficile qu'on dise Monsieur le Président Emmanuel Macron. Du Macron. On dit Emmanuel Macron. C'est en Afrique qu'on voit les Salam Alek. Oui, son excellence, Monsieur le Président. Non, Alassane Ouattara, point. Oui, c'est pas Monsieur Lambda dans tous les cas. Oui, mais bon, on se compte pas en parler d'Alassane Ouattara. On n'appelle pas Foubaïn comme ça, ou Foubaïn. On a jamais dit Foubaïn. Oui, c'est ça. De la même façon que tu ne peux pas dire Foubaïn, tu ne peux pas dire aussi Ouattara. Non, mais moi, j'ai dit Alassane Ouattara. Il reste le président de la République de Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qu'il est le président. Il faut le respecter. Oui, non. C'est pas parce que j'ai dit. Maintenant, si on se rencontre aujourd'hui, qu'il me dit, mais. Jeune frère, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as dit ça? Mais je vais lui dire la même chose. Je vais lui dire, Monsieur le Président, je suis un homme de conviction. Je vous réitère ma désapprobation. Je suis désolé, mais il y a des canaux pour l'atteindre. Est-ce que c'était publiquement que tu devais le faire? Il y a des canaux pour l'atteindre. Tu sais très bien où passer. Les canaux? Oui. Tu peux passer par la... On connaît les canaux. Hein, en pleine période électorale, les canaux sont souvent verrouillés. Et mais toi, tu peux appeler Ambak et puis il va refuser quand même. Écoute, quand on a la possibilité d'avoir accès à Dieu, on ne passe pas par les apôtres. Donc, à un moment donné, je pense que j'étais isolé en France. Le mois d'août 2020, c'est ça? Ouais. On était en pleine période Covid-19. Ouais. Le stress aussi. On prenait pas l'avion n'importe comment. Et j'étais isolé en France. Et à distance, j'avais très mal. Alors, de quand, De quand il fallait réagir. Il fallait réagir. Et c'est ce que j'ai fait à distance. Et de toute façon, il y a une promesse qui a été faite. Moi-même, j'ai pris tout ça dans la gueule. Mais il y a une promesse qui a été faite qui n'a pas été tenue. C'est tout. Voilà. Laquelle des promesses? Tout le monde le sait. Attends, Moses. Entre briguer un troisième mandat et faire le premier mandat de la Troisième République, il y a nuance. Donc, moi, je dis, c'est pas ce qu'on nous a promis. Hein. Quand tu arrives à Abidjan et que tu circules dans les rues sans garde du corps, tu as confiance en toi? Oui, c'est vrai que je sais me battre en tête à tête. Mais quand on est à plusieurs. En plus, avec des machettes, c'est pas évident. Mais seul, tête à tête, je sais me défendre. Okay. Alors, de quoi avait vu à ta sortie une sorte de, je sais pas, message un peu subliminal, subtil du PDCI, parce que on sait tu as des acquaintances avec la famille Bédier. On s'est dit, c'est le bras armé du PDCI qui veut smasher, trucider le pouvoir en place. Est-ce que bon, c'est pas vrai un peu? Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, militant du PDCI, je l'ai jamais été. Parce qu'on a interprété ta sortie. J'ai pas de carte du PDCI. Je suis pas militant. Un militant, ça se prouve par des actes, ça se prouve par de la paperasse. Mais tu dois beaucoup à Madame Bédier. Devoir beaucoup, on doit beaucoup à tous ceux qui se sont succédés à la tête de ce pays. À partir du président de la République qui a reconnu mon talent, au Fouette Boigny, le premier. Et après lui, il y a eu le président Bédier qui a reconnu mon talent. Il y a eu, après lui, le général Guéhi. Qui était musicien. En plus. La première fois que j'ai été décoré dans l'ordre national, dans l'ordre du mérite culturel, pardon, c'est avec le général Guéhi. Ok. Donc après, il y a eu le président Gbagbo, avec lequel j'ai été le plus décoré. Donc, avec le président Gbagbo. Et donc, c'est pour vous dire, avec le président Alassane Ouattara, ça a continué. J'ai eu la plus haute distinction dans ma carrière, dans l'ordre national, avec le président Ouattara. Donc, tu vois, donc, c'est pour vous dire que je dois beaucoup à tout cela. Il n'y a pas que mais en termes d'affinité, Madame Bédier, en termes d'affinité, elle a toujours été là. C'est ma tata. Voilà. Et je l'appelle Maman Bomo. Mais oui, je voulais te dire merci.
Parce c'est que, moi qui te remercie. Parce que la, je suis là par amitié, je ne serais pas venu. Oui, oui, effectivement, tu me l'as dit. Je vous aime beaucoup, je suis, vous savez. Je suis... On est entre amis. Oui, oui, oui. Je suis vraiment touché. Et quand Karine Ouattara m'a dit que c'était spontané ce que tu as fait l'autre jour, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que rares sont des artistes qui sont aussi simples, des artistes de ton niveau, de ton rang, qui viennent à une soirée où ils sont invités pour recevoir un prix. Ouais. Et puis, il y a toujours ce piège là où on lance un morceau et puis on demande à l'artiste de venir. Ah ouais, ça, et spontanément, quand j'ai demandé à Karine, tu as eu de quoi payer, mais oui, elle me dit non, je te jure, je ne sais même pas comment lui dire merci. Mmh. Et c'est rare, Fredo. Et puis, tu as eu les larmes aux yeux. Ouais, bah oui, j'ai les larmes aux yeux. Parce que c'est pas. Attends, tu sais, même nos petits artistes qui viennent d'émerger. Quand on passe leur morceau et qu'ils n'ont pas été payés pour, le mec il se lève, il peut partir, tu vois ce que je veux dire. Et Mewa a joué le jeu. Oui. Il a pris non, le micro. Il a joué, mais c'est pour toi, t'es l'âme là. Non, mais parce que moi j'aime bien les gens qui fonctionnent avec le cœur. Réellement, tu vois ce c'est ma façon à moi d'encourager ceux qui s'engagent dans des opérations. Il a fait deux morceaux sans grand en plus. Moyen. C'est vrai, c'est pas évident pour elle, mais elle est très ambitieuse. Elle est très ambitieuse, effectivement. Et ce qu'elle fait, elle est formidable. Il faut oser le faire. Alors, et je me suis dit, parler de sexe, je me suis dit peut-être qu'elle a payé en nature, je sais pas. S'il te plaît, cette femme est mariée. Moi. Non, attendez. Non, pas elle-même, mais en te faisant une passe. Soyez sérieux. Mais oui, on va parler de ça justement, Fredo. Dans ta carrière sexuelle. Bon, on va oublier danseuse, puisqu'on connaît l'histoire avec ta danseuse. Tu t'occupes de l'enfant. Hein. Oui, c'est son enfant. Ça va, ouais. Tu t'occupes de l'enfant. Il est majeur maintenant, donc il se prend en charge, oui. Est-ce qu'il y a eu des chanteurs? Oui, il a 21 ans maintenant. Est-ce qu'il y a eu des chanteuses dans ton palmarès sexuel? Oui. Oh, ouais. Oui, forcément. Des choristes, bon, ça, oui. 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 Femmes politiques. Oui. Des miss. Au Gabon, entre autres. Hein. Oui. Femmes politiques, effectivement. En Côte d'Ivoire, des femmes politiques, disons de toutes les générations. Oui. Oui. Ah ouais? Des miss? Elles sont encore en fonction? Ça, tu me demandes de donner un indice. Non. Elles sont plus en fonction. Je veux pas donner d'indice. Tu veux pas d'indice. Faut donner d'indice. Je reprends ta question. C'est tic-tac, non? Ouais. Ouais, donc oui, non. Femme d'affaires? Oui. Femme d'affaires? Première dame? Là, tu me demandes de donner un indice et c'est pas bon. Non. J'ai dit, je le connais. Attends. Il y a une chose qui est sûre. Je ne parle pas de son pays. Ses enfants sont multinationalité. Okay. Ouais. Mais il a fait le patchwork de tous les pays où on est passé. Il y a combien de nationalités, Fredo? Honnêtement, je suis très à l'aise parce que là, on parle de mon passé. Oui. Tu as combien de nationalités à la maison? Alors, laisse-moi réfléchir. Ouais, tu as le Cameroun déjà deux ou trois? Non, là, il y a la France. Oui, la France, oui. La France. Oui. Il y a la France. Le Togo. Il y a. Moi, te donne l'argent après. S'il te plaît. Hein, ton enveloppe est en train de diminuer. Ne diminue pas l'enveloppe, pardon. Moi, elle quitte là. Oui, arrache son micro. Arrache son micro. Oui, Fredo. On parle des enfants. Oui, les enfants, La France. Oui. La Guinée. Aïe. Oui. Guinée quoi, Conakry ou Guinée? C'est ma famille alors. Guinée-Conakry. Voilà tes beaux frères. Et ma belle-sœur. Ouais. Ah ouais. Un peu, donc plus proche de lui. Les plus belles femmes sont là-bas. Ouais. Elle doit être Barry ou elle est Diallo? Non, elle n'est ni Diallo ni Barry. Mais plutôt bas de sa mère. Donc c'est pas haut. Donc quelle autre nationalité encore? Alors, on parlait de France, Guinée. Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, oui. Cameroun, Mali, oui. Cameroun, oui. Il reste voilà. Ouais. J'ai fini. Est-ce que tu as déjà animatrice? Animatrice, oui. Oui. Ah, Yves, toi-même, tu connais, il s'agit de mon passé. Oui, il s'agit de ton passé. C'est beau. Mais Miss. Les Miss. Miss, oui. Oui. Ah ouais. Sportive. Oui. Ouais, je connais Anne Balèze, effectivement. Ah ouais? Effectivement. Ah bon, effectivement. Hein. Est-ce qu'il y a eu des fois où tu étais très déçu? Peut-être par l'hygiène de la personne? Forcément. Oui, ça arrive. En fait, tous ces ça arrive parce que. Ça arrive à tout le monde, hein. Et même à nous-mêmes, ça arrive. Ouais. Il y a un endroit du corps où il est très difficile d'être
super propre. Ouais. C'est l'enveloppe. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Non, c'est derrière. C'est pas vraiment, ouais. D'ailleurs, c'est pas évident. Ouais. Souvent, il y a des petites choses qui restent. Ah, c'est jamais. Ah, oui, d'accord. Quelles sont tes pratiques sexuelles et je préférées? Je comprends pourquoi souvent les musulmans, ils ont toujours le sérigaga. Ouais. Pour laver. C'est plus précis. C'est plus précis parce qu'on a tendance à utiliser la paperasse hygiénique, là. Et c'est pas précis. Mais donc, en fait, ça t'amène à changer de position, alors? Pas forcément, si tu préfères voilà, cette position. Ah, mais tu as senti mais c'est ça. Et ça peut paraître gênant. Est-ce que tu as déjà merdé sexuellement? Merdé, le type où tu arrives, ton petit frère refuse de se lever, ton petit frère refuse, ou alors ça sort les secondes suivantes ton entrée en matière. Oh, ben là, ça dépend du casting. Bah, quand tu fais... Oui, mais quand tu fais le casting, ça peut pas arriver. C'est pas possible. Et j'ai tendance à faire toujours le bon casting. Est-ce que tu as déjà utilisé des produits aphrodisiaques? Ah oui, comme tout homme. Ouais. Ah oui, je l'ai essayé. Ah oui, c'est efficace. C'est efficace. C'est très bon. Ah bon, c'est très bon. Voilà. Mais tu sais que ça sort maintenant en poudre tout ça. Il y a docteur Linda Kamore. Oui. En poudre, j'ai rencontré. C'est une dame qui fait ça. C'est une dame. Docteur Kamore, je vais te la présenter. Non, c'est celui de là-bas, mais elle a transformé ça de manière. Non, il y a un gars de Korogo qui fait ça. Elle a rattrapé le truc maintenant, justement, pour que ce soit plus esthétique. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus. Qui fait, je te parle hors antenne, c'est fini, au revoir. Bon appétit, merci, allez, salut.